C'est pas mal, il a eu une bonne idée. Alors je le fais moi, je sais pas pourquoi, pourtant il n'y a rien de compliqué, à part 2-3 temps. Voilà. Comme tu casses. Ça tacle là. Non, je rigole. C'est qui? C'est la maman. La maman. Ah d'accord, ouais, faut que tu ailles coucher. Et rentrer, on va jouer au loto. Alors, c'est qui sait faire un mélange à l'américaine? Alors, c'est pour mélanger en fait mes tickets de loto. Alors, non, je dois vous avouer que c'est des tickets de loto. Alors, ils sont tous différents. Enfin, du moins, ils sont tous identiques au niveau du dos. Mais tous différents au niveau de la face. Alors, je me suis amusé à faire 52 jeux tickets de loto. Donc, ils sont tous en fait avec une petite pastille. Alors je vais vous les passer, hein, au moins vous verrez qu'il n'y a pas de trucage. Et donc j'ai toutes les cartes en fait de 1 jusqu'à, voilà, on peut même les pour dire qu'il n'y a pas de bloc, pas de machin. Les 52 cartes d'un jeu en fait, c'est-à-dire que j'ai pris mon jeu de cartes, j'ai pris les cartes de mon jeu, d'accord, ok. Et tout simplement, bon, j'ai marqué 52 grilles. Et au hasard, alors il se peut qu'il y ait peut-être les mêmes, j'ai fait des croix, donc une grille, donc toutes les grilles sont complètement différentes, d'accord. Donc vous pouvez vraiment examiner. Et d'ailleurs, je vais vous les confier parce que vous allez vous les distribuer vous-même. Alors vous en prenez chacun, peut-être une dizaine, allez, au moins comme ça je distribue vous distribuez tous les paquets. Alors, l'idée par contre est la suivante. Avant que vous fassiez quoi que ce soit, enfin si, faites-le. Alors pendant que je mélange, je vais vous demander de vous passer en fait les grilles, donc à chacun, allez-y, passez-vous-les, voilà, de toute façon vous en avez 2, 3, 4 chacun, et puis voilà, ok. Et avant de commencer, je vous rappelle que depuis le départ j'avais mis une prédiction ici, d'accord. Elle est faite bien longtemps avant qu'on ait commencé. Donc je laisse le jeu ici, d'accord. Et, tiens Michel, je vais te demander à toi, on va imaginer. Donc tu vas imaginer que tu as ces 52 cartes, d'accord, dans ta main, d'accord. On va les laisser là, d'accord. Mais tu vas imaginer que tu as tes 52 cartes dans ta main. Et tu vas couper le jeu où tu as envie. C'est bon. Donc automatiquement, si tu as bien fait les choses, c'est ou soit tu as coupé pile poil, mais ce qui m'arrange pas parce qu'il n'y aura aucun intérêt. Ou alors tu as coupé une petite partie et forcément il en reste une grosse. Je ne peux pas connaître ce que tu as coupé, ni ce que tu as pensé. Fais le geste. Bon. Donc, alors imagine-toi ça. Non, mais donc, si il fait le geste, il va le voir. Voilà. Eh oui, s'il fait le. Il est bête. Je vois combien de cartes tu coupes. Non. Alors tu le fais, d'accord. Et moi, je regarde pas. D'accord. Je vous rappelle, hein, le jeu reste sur la table. Ok. Alors voilà. Tu coupes une petite partie de cartes. Okay. C'est bon. Ok. On a fait tomber une. Voilà. C'est bon. Oui. Tu comptes combien t'en as, mais attention, hein, mentalement, moi, je regarde pas. Hein. Voilà. Ok. Ça y est. Tu gardes ce nombre en tête, oui. Voilà, et l'autre paquet, donc le gros qui te reste, tu le donnes à une personne de ton choix. Donne-le derrière. Tiens, voilà, c'est bon. Je peux me retourner. Oui, oui. Je vois rien. Oui. Non, je plaisante. Michel, pour la première fois, tu as coupé combien de cartes? 14. On comptera 14. Tu m'aurais dit 15, on aurait compté 15, tu m'aurais dit 16, tu m'aurais dit 22, tu m'aurais dit 34. Tu m'as dit 14, voilà. Du bout des doigts, je ne triche pas, on va prendre 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, juste ici. Et on a une petite carte tout nette. Combien? Tu as donné le jeu à qui au fait? Zoumette. Zoumette, il te reste un gros paquet de cartes. Est-ce que tu veux garder ce chiffre-là? Ou est-ce que tu veux encore, si ça t'enchante, couper le jeu? Oui, je coupe. Tu veux couper? Oui. T'es sûr? Oui. Je t'ai pas influencé? Non, non. Oh, je te laisse couper. Voilà. C'est bon? Mmh. Tu as combien de cartes? 12. Oui. Est-ce que tu veux pile poil? Est-ce que tu veux ton paquet du dessous, donc le restant, tu fais comme tu as envie. Non, les 12. 12 cartes. Est-ce que tu veux 12 cartes? Oui, 12. Alors, on va compter 12. Ok. Le paquet, je le donne au voisin. Non, c'est bon, tu t'en débarrasses. Tu veux pas en rajouter ou en éliminer? Non. On s'arrête là. D'accord. 12. 14, on a compté et 12. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et une petite cartouillette ici. Bien. Vous vous rendez compte avec tout ce que vous m'avez dit, avec toutes les cartes qui sont possibles, c'est-à-dire les 52 cartes énumérées dans mon jeu ici, sont exactement les 52 cartes que vous avez dans vos tickets d'auto. Donc je ne pouvais pas savoir l'ordre où vous allez m'arrêter, si c'était la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Tu m'as dit 14, et Zoumet, tu m'as dit 12. C'est fou quand même, c'est assez étonnant. Je vais me retourner, je vais te montrer ta carte, d'accord, et tu vas... Donc quelqu'un, alors c'est peut-être pas toi qui l'a, mais vous allez chercher en fait le ticket du loto qui correspond à sa carte, ok? Je ne regarde pas. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Alors dites rien, je vous la montre. C'est bon? Et la personne qui a ce ticket de loto, enfin oui, ce ticket de loto qui correspond à sa carte, c'est donc le prend. C'est Michel. Bon. C'est toi? Non, sans rire. Ouais, c'est vraiment une coïncidence. Hein. C'est bon? Tu le gardes? Michel, est-ce que tu imagines quand même une seule fraction de seconde? Si la prédiction qui est là correspond exactement à tes numéros de loto, c'est un miracle. Est-ce que vous arrivez quand même à imaginer le processus? Une carte, je ne peux pas faire plus clean que ça. Je ne peux pas faire plus clean que ça. Même un jeu dans l'ordre, dans tous les cas, je ne pouvais pas savoir que tu allais m'arrêter sur 14 et Zoumet sur le chiffre 12. Zoumet? Je connais pas la carte, mais est-ce qu'il y a un autre ticket de loto portant le même chiffre? Non. Alors oui, effectivement. Il y en a qu'un, hein, ça. Bon. J'y vais du bout des doigts. Je peux regarder la carte avec laquelle tu t'es arrêté. 5 de pique. Regardez bien. Pour la première et unique fois, est-ce que tu peux m'annoncer les chiffres de ton loto? Ok. Alors, le 10. Oui. Le 20. Oui. Ah, le 20? Oui. D'accord, ok. Le 26. Oui. Le 30. Oui. Le 40. Oui. Et le 40. Donc, on récapitule. J'ai le 10, le 26, le 20, le 30 et le 40. C'est exact? Ok. Yeah. Alors, attendez. Pour vous montrer qu'il n'y avait aucune note à l'intérieur, tu peux examiner, que c'était vraiment les bons numéros. Vous pouvez examiner qu'aucun autre ticket correspond à ces numéros-là. Là où c'est encore plus bizarre, c'est que Zoumet, est-ce que je peux te demander de regarder la carte sur laquelle tu t'es arrêté, toi? Prends-la, je veux pas la regarder. On va faire beaucoup plus fort, ne la dis surtout à personne. C'est bon? Oui. Tu la perds n'importe où dans le jeu. Non, j'ai pas vu. D'accord. C'est bon, tu la perds n'importe où dans le jeu. Attends. Ah, pardon, excuse-moi. C'est bon? Donc, regardez la montrer à tout le monde. Ok, tout le monde voit bien la carte. Oui, alors pendant ce temps, voilà, donc vous cherchez donc la grille qui correspond donc à votre. À la carte qu'a choisi Zoumet. Moi, je range ça, je ne regarde pas. Hop, et Gérard, tu peux le récupérer. Hop, voilà. C'est bon, je peux me retourner. Donc, vous cherchez. C'est bon? C'est qui l'a? Ouais. Ah, c'est toi? Alors regarde, donc tu prends donc ton ticket, tu regardes bien les numéros, tu te concentres, il y en a 5. Et concentre-toi bien sur le numéro, je vois le 50, il est tout en bas à droite. Ouais. Tu as le 2, tu as le numéro 8, oui. Tu as le 5 et tu oui. as le 12 gagnant. Et c'est les numéros gagnants du roi de cœur. Yeah.